Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3 qui va vous permettre de débloquer le skin Potiron. Donc ça va vous aider à monter vos niveaux. Alors, le glitch de cette vidéo, je vais vous le présenter dans quelques instants, mais je vais vous demander à tous de vous connecter une fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créatif et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitch d'XP. Donc, merci à tous ceux qui s'y connectent une fois par jour. Le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous. Alors, le code du glitch de cette vidéo, c'est le 01107302478. Le code sera aussi en description en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map. Et quand vous avez sélectionné la map, vous le lancez en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc pendant que la map se lance, vous pouvez aussi aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci énormément et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines parce qu'il s'efface toutes les 2 semaines. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour le soutien et à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors là, vous attendez que la map se lance. Ensuite, vous maintenez triangle pour lancer la map. Quand la map est lancée, ce que vous allez faire, c'est attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes, mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'attendre 10 minutes. Donc, si vous avez 10 minutes devant vous, vous les attendez. Vous attendez ici, hein, comme ça. Sans rien faire pendant 10 minutes. Et ensuite, vous faites le glitch. Après, si vous n'avez pas le temps, vous faites le glitch directement. Ça devrait quand même vous rapporter pas mal d'XP. Donc voilà. Là, moi, je vais attendre 10 minutes. Et ensuite, je vous montre ce que je dois faire. Enfin, ce que vous devez faire juste après. Donc, c'est parti. À tout de suite. Ok, donc là, ça fait 17 minutes que j'attends. Donc, j'ai attendu un petit peu plus longtemps. J'étais fin de niveau 29. J'ai gagné plus ou moins déjà 40 000 XP. Rien qu'en attendant 10 minutes. Enfin, 17 minutes. Donc pour réaliser les 3 glitches, il va falloir aller en plein milieu de la map. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre le tremplin, le jump qui est juste en plein milieu. Et vous allez sauter jusqu'à la case respawn qui est juste en face. Donc la case bleue. Et là, vous allez calculer 3 carrés. Donc regardez ici. Vous calculez 1, 2, 3 carrés. Ensuite, vous faites une rampe. 3 rampes pour monter au-dessus. 1, 2, 3 rampes. Ensuite, là, vous construisez des sols comme ceci. Donc, vous calculez 1, 2, 3 carrés. Voilà, jusqu'ici. Et là, vous allez construire des sols. Vous en construisez au total 10. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, très important, sur la 10e place, la 10e plaque, enfin le 10e sol, il faudra bien marcher en plein milieu pour se faire TP. Donc regardez, hop, là je me suis fait TP. Il faut bien marcher en plein milieu de du sol pour se faire TP juste ici. Et là, quand vous allez descendre tout en bas, vous avez un bouton d'XP, Secret Room XP, que vous allez devoir interagir. Donc là, je suis niveau 28 avec 43 000 XP. On va voir combien d'XP ça va me rapporter. Ok, ensuite, le deuxième glitch, c'est en plein milieu de la map encore. Donc là, on est déjà à 150, 160 000 plus les 40 000 que j'ai eu, ça fait déjà 200 000 XP. Donc c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Donc ici, vous allez près du jump, vous allez à droite vers les deux rampes. Ensuite, vous allez sur la rampe vers les véhicules et vous allez construire 1, 2, 3, 4, 5 rampes. Et ensuite, vous construisez 1, 2, 3, 4, 5 plats. Ensuite, au bout du 5e plat, vous avez un bouton Secret Room XP, vous interagissez avec. Donc on était à 200 000 XP, on va voir combien ça va me rapporter d'XP là. Encore 150 000, 170 000, 170 000 XP, donc on est déjà à 380 000 XP. Et le dernier glitch se trouve à côté des véhicules, à gauche, dans le coin. Juste ici, vous allez près du jump et vous allez mettre 4 chapeaux. Donc regardez, hein, vous allez bien près du jump, vous mettez 1, 2, 3, 4 chapeaux. Et sur le chapeau à gauche, en haut, dans le coin, vous avez un Secret Room XP, vous interagissez avec. Et là, boum, on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc 100 000, 120 000, 130 000.
Donc 380 000 plus 130 000, ça fait 410 000, ça fait 510 000 XP plus ou moins en un seul glitch. Donc j'ai commencé, j'étais niveau 28, j'étais à la fin du 28, on est niveau 34. Donc ça fait qu'on a gagné blindé, blindé. On a gagné 7 niveaux. Donc 7 x 8 fait 40, ça fait 560 000 XP. Voilà, plus ou moins on a gagné 560 000 XP easy en 10 minutes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!